Ouais, je crois qu'on savait que cette équipe, on rendait à cette équipe beaucoup de centimètres et beaucoup de kilos. Il fallait compenser ça par un surplus d'agressivité, surplus de détermination, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Donc, je crois que quand on prend 4 buts, avec notamment 2 touches et des coups de pied arrêtés, on prend 4 buts qui se ressemblent parce qu'on est battu athlétiquement dans la surface de réparation. Et c'est ce que j'avais dit aux joueurs dans la semaine, dans la préparation du match, c'est-à-dire qu'il fallait tenir cette équipe loin de notre surface parce qu'on savait que là, ils avaient beaucoup de qualité sur cet aspect-là. On n'a pas su le faire. Et surtout parce qu'aussi, on n'a pas su bien sortir les ballons. C'est qu'on a subi chaque fois la pression de leur pressing. Donc quand on ne sort pas correctement les ballons parce que techniquement on n'est pas assez propre. Quand derrière on est battu sur les duels, c'est dur de gagner un match. C'est comme ça. Après, j'aurais aimé voir le match si Thérème avait mis ce but et qu'on avait ouvert le score, ce qu'on avait les moyens. C'est très bien que des fois c'est des moments comme ça qui sont charnières dans un match. Mais on ne va pas se retrancher derrière ça. Comme j'ai dit aux joueurs, maintenant il faut penser les plaies, penser les blessés. On sait que ça va être compliqué. On avait déjà des joueurs sur le flanc. Et il va falloir faire preuve beaucoup de solidité, de solidarité pour finir déjà, pour bien préparer le match de dimanche prochain, parce qu'on n'a que ça en tête. Voilà, c'est un peu ce moment de la saison où c'est que ça ne tourne pas trop en notre faveur et il faut être vraiment fort dans les têtes et se groupeler, je le sais. Donc il va falloir qu'on montre tous de la solidarité dans les moments difficiles qu'on vit à l'heure actuelle.